Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transportuver. On commence par une save auto. Aujourd'hui, on va faire la desserte, notamment de Montrouge en carburant. Donc, pour faire la desserte de Montrouge, alors déjà Montrouge sera desservi avec un train électrique. Bon, vu qu'on a la ligne qui est électrifiée à 100%, on va mettre du train électrique. Quoique, non, je déconne. On va mettre un train électrique là. On va pas jouer. Même si. Alors j'ai regardé. Oh, sympa c'est qui est là. J'avais pas encore vu en rouge comme ça. Bah en même temps sur le précédent let's play, on s'était arrêté. Bon, on s'est arrêté par ici, je crois. Enfin. Dans ces années-là, c'est là où ça avait planté. Ça avait planté dans ces années-là, je crois. Mais ouais, sympa c'est qui est. Moi je pense que j'en mettrais. C'est plus joli que les quais en noir comme ça. Sur les quais en or comme ça, j'aime. Je trouve ça moyen, en vrai. Alors, par contre, je vois que j'ai mis des toilettes là-bas. Ah, ça va être compliqué de placer un. Ou oh, attends, bon, non, je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire. Alors, mince. J'ai pas de 25 000 volts là? 1500 volts. 1500 volts. Ah. Il est où le 25 000? Voilà, je patauge là. Je patauge. Ah, il est là. Pour ceux qui veulent savoir, il est 1h28 du matin. Hein. J'enregistre encore de nuit. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, j'ai toutes les refs. Hein, si, Alors, attendez, est-ce que je peux? Non, je peux pas. Je peux pas passer derrière. Ah, zut, c'est dommage ça. Ça, c'est dommage. Bon bah du coup je vais être obligé de détruire ça, c'est pas grave. Hop. En vrai j'ai détruit mais. Est-ce qu'on se ferait pas. Attends, est-ce qu'on se ferait pas ça? Ah oh ouais tiens vas-y, si si. Si si on va faire ça. Attendez, hop. Caténaire simplifié, mais avec trois voies. Ça rend bien aussi. Hop. Et du coup, quai. Et du coup, la voie centrale sera juste pour stocker, machin. Enfin, voilà. Mais compris. Et là, on fait un quai de fret. Au pire, on y stockera un train. Vraiment, comme ça, ça fera de la déco. Ok. On met un bâtiment. Du coup, de marchandises. Qu'est-ce que je peux y mettre? On va y mettre celui-là. Ah, après, il faut que je vois comment je fais ma desserte. Mais je pense que je vais mettre un là. On va se mettre là. Parce que c'est où qu'il y a besoin? Ah oui, c'est loin, c'est par là. Ok, ouais, bah c'est clair qu'il faut du camion. Je vais faire mes voies. Je vais raccorder mes voies. Rail 25 000 services. On va mettre une voie comme ça en butoir. Et du coup, ça qui traverse. Le 60 là, il y a intérêt d'avoir un train puissant. Parce que sinon il va faire mal. Sinon il va faire mal. Bon après t'es juste avant la gare donc c'est pas très grave mais bon. Bon de toute façon je sais pas sur. Je sais pas quel train je vais mettre en vrai. J'ai pas encore décidé. Je sais pas encore quel log je vais mettre. Hop. Ok. Voilà. Donc là on a tout raccordé. C'est bon. On met la signalisation. Alors là, je vais mettre un carré violet, un autre carré violet. Et par contre, là, on va mettre. J'ai bien envie de le mettre en mécanique ici. Ouais, vas-y, on va le laisser en mécanique. Et du coup, par contre, là, on va mettre en lumineux. Nord. Lumineux. Ouais. Hop. Voilà. Et normalement, bon, pour mettre un là. Juste à la sortie ici. Ok.
Maintenant, l'idée, c'est de faire une route. Rue. Bah non, là, on va faire une route parce qu'on n'est pas tout à fait du côté de la ville. Je me mets à plat. Ok, pas mal. Ok, ok. Ah mince, faut que je mette en arrondi. Ah, par contre, c'est vrai qu'on est haut par rapport à la voie, mais bon. Bah, de toute façon, on arrive de là, donc c'est compliqué de faire autrement. Non, faut essayer de se mettre droit en vrai. Oh non, faudrait que j'arrive à avoir qu'une. Là, ça marchera pas. Comme ça marchera pas. Nous, il faudrait qu'on ait un. Faudrait qu'on ait des piliers au milieu. Non, là non plus. On va mettre ce pont là, c'est pas grave. Oh, j'étais en mode pourquoi il valide pas. Et du coup, on descend. Par un talus. Ok. Ah, c'est de la grosse montée, mais bon, ça passe. Hein. Ça passe. Là, ça passe. Ok. Du coup, de ce côté-là, on va mettre un bâtiment. Bon, je vais mettre deux voies directement. J'ai pas regardé. En plus, je sais qu'il y a plusieurs marchandises demandées ici, je crois. Mais j'ai pas regardé ce qui était demandé. Après, je crois qu'il y a des marchandises qui peuvent aller pas très loin de la gare. Donc. On va terraformer, vous n'inquiétez pas, parce que là, c'est vrai que c'est un peu particulier. Ok. Je vais aplanir. Oui, je fais des tests. Mais oui, vous avez bien vu une navette spatiale. Vous avez bien vu une navette spatiale. Hop. Ok. Et du coup, on. On dépose par ici. On va faire deux points de déchargement. On va faire un déchargement là et un déchargement là. Ok. Nouvelle ligne. Ici. 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 Bon, il y a des boucles, c'est pas très grave. Donc là, c'est C. Carburant. C. Carburant. Montrouge. Ok. Et donc, nouvelle ligne. On part de là. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, j'ai supprimé une ligne de bus. Je l'ai pas fait. Aïe, aïe, aïe. Ok, et là on va aller quai numéro 4. Voilà, quai numéro 4. Et donc ça c'est carburant Montrouge. Carburant Montrouge, ok. Tant que j'y pense, je vais la supprimer la ligne parce que... Je sais qu'il y a encore des gens qui attendent. Attends.
Ah non, il n'y a plus personne. Non, c'est bon. Les gens ont compris qu'il y avait une ligne de bus maintenant, de train. Donc, ligne visible. Voilà. Oui. Ok. Du coup, elle sert plus à rien. Maintenant, il y a le train. Donc, ça sert plus à rien de la garder. Du coup, on va acheter un train. Non, on va d'abord acheter les camions parce que le temps qu'ils montent là-haut, le temps qu'ils montent dans la ville, même si le temps que l'autre ça fonctionne aussi, on a vu qu'il y avait un petit peu de carburant là pour la ville en bas là, mais pour Oulin, mais pas encore en haut. Vu qu'on n'a pas encore fait la ligne, on va mettre 4 camions alors qu'on a une petite save auto. C'est-à-dire que l'épisode, ça fait déjà 10 minutes. Les épisodes, ça passe trop vite, hein. Ça passe trop vite. J'aime plus, mais là, ouais, on approche de l'épisode 100, je crois. Enfin, je les compte, enfin, je mets les numéros quand je mets les vidéos, quoi. Mais ouais, je crois qu'on est pas loin de l'épisode 100. C'est énorme. hop. Et du coup, maintenant on peut acheter. Alors oui, d'ailleurs, j'ai regardé. Je vais bientôt pouvoir jouer avec les locomotives qui respectent l'environnement. C'est entre 2002 et 2004, les locomotives qui respectent l'environnement. Vous savez, avec le en voyage. Enfin voilà, vous m'avez compris. Aïe, 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 aïe. Non mais je suis inarrêtable avec ça. Hein. Alors, qu'est-ce que je mets comme lock? Qu'est-ce que je mets? En vrai, je peux mettre une petite 17 000. Hein. Une 17 000, ça passerait. Hein. Après, pour l'instant, 17 000. Ouais, 17 000, j'ai que des livrées comme ça. J'ai que ces livrées-là. Dommage, j'ai pas la livrée. Il y en a qui pour rouler dans mon coin. Mais malheureusement, je sais pas. Sinon, je fous une petite 25 500 en livrée fret. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Parce qu'en vrai, ouais. 25 500 en livret fret? Oh oui. On va faire largement ça. Et marchandises, du coup. Du coup, ça va être du petit train. Comme ça, on va mettre du total. Ah ouais, pas de difficulté, hein. Excellente. On va mettre 90 de capacité. Au début, et carburant Montrouge. Est-ce qu'on a du... Non, il y a rien. Donc pour l'instant, ça peut pas fonctionner. Et voilà. On va voir si ça accélère bien. Hein? C'est quoi cette vue? Ah, mieux. Bon, c'est quand même très zoomé, mais... Ouais, bon, ça va accélérer. La 25 581. Mais normalement, ça devrait accélérer sans souci. Voilà, elle est déjà à 60. Bon. On va pas en parler du fait qu'elle a le... c'est le pantou 1500 volts qu'elle veut, mais... Non, mais c'est un détail, c'est un détail. Maintenant que je sais les reconnaître, les pantos... mais du coup, oui, je pense qu'il y a optimisation à faire. Parce que bah là, oui, il y a du pétrole raffiné de produit. Mais le train de pétrole, il est loin. Ouais, elle est là, là, c'est 72 000. Elle est pleine, hein. Elle est à 216 sur 216. Et là, il y a encore du stock. Donc, il faut un deuxième train. Du coup, l'idée, c'est que pour éviter les problèmes à base de trains arrêtés en pleine voie, on va allonger ici. En fait, l'idée, c'est qu'on va supprimer la TJD ici, et donc tous les trains devront passer là. Et donc, ça va éviter les problèmes de trains stockés en pleine voie.
On va aller un peu plus loin ici. Et du coup, on vient se raccorder là. Alors du coup, ça fait une longue partie à 60 km/h. Ah, je vais voir si je peux pas l'augmenter un peu. Ouais, on va peut-être l'augmenter un peu. En vrai, on va peut-être augmenter la vitesse. En vrai, on va peut-être mettre des rails de base du jeu. On va monter à 100, peut-être. Ouais, petite voie de base du jeu, ouais. Vas-y, à 100 ici. Ok, et après on passe à 60. Ouais, ça change un peu en vrai. Ça change un petit peu. Vas-y, let's go, on va faire ça. On va faire ça. Et du coup, on enlève la TJD ici. TJD non. Donc là, normalement, en repartant, enfin en arrivant, ça passe là. Parfait. Donc on garde bien signal là, c'est bon. Par contre là, on met signalisation. On va mettre un violet. Que je mets quoi comme carré? Là, on va mettre un lumineux, tiens. On va mettre un petit carré lumineux. Carré violet lumineux, hop. Et par contre, du coup, ouais, bah non, il n'y a pas besoin de mettre d'autres signaux ici. Donc c'est parfait. Et donc comme ça, on peut stocker un train. Ça, c'est plus un problème. Et ensuite... Ensuite, il faut qu'on puisse restocker des trains... Par ici. Donc ici. Ici, il faut qu'on puisse stocker des trains. Enfin, au moins un train, quoi. Donc, c'est où? C'est rail. Rail à 80 km/h. Par contre, là, on va garder le 80. Non électrifié. Boum. On va mettre en pause parce que là, il va falloir que j'enlève le signal. Et en vrai, on va voir la CC 72 000. Peut-être que je vais y enlever un wagon. J'en sais rien en vrai. Mais clairement, l'idée, c'est de stocker un train supplémentaire. Ouais, et on peut aller jusqu'ici. Et on va mettre une petite voie en impasse ici. Et ensuite, on repart là. Ok, signalisation. Donc on met un petit carré violet là. Et un petit carré violet ici. Ok. Donc là, normalement, bah, on va mettre celui-là en sens unique, oui. Et l'autre en sens unique, et normalement, ça devrait le faire. Et voilà. Et du coup, le train se répartit. Ok. Donc, on peut remettre le jeu en marche. On peut remettre le jeu en marche. Alors qu'il y a la section 12 000 justement qui est en train d'arriver. Et on va pouvoir acheter un deuxième train. Alors, en deuxième train. On va essayer de mettre quand même pas mal de capacité. Donc, diesel. Alors, soit une classe 77, soit une classe 66. Est-ce qu'une classe 66, ça serait suffisant ou pas? Normalement, je pense que ça tracte quand même des trains assez longs, je crois, les classes 66. Hein. L'autre, ça prenait 18. Et attends. Non, ça prend 15. Ça prend 15.
Là, ça prend 20 en vrai. Ça peut être pas mal. On est déjà en bonne avec 120 de capacité. Aïe. Médiocre avec 220 de capacité. En vrai, c'est à peu près la même chose. Ouais, donc. On va passer sur une classe 77. Qui est, je crois, un poil plus puissante. On remet une VFLI. J'adore cette livrée. Ah non, on est déjà en médiocre. Ah. Donc, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Vous trouvez quelque chose de plus puissant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses plus puissantes qu'une CC72000. Ah non, c'est même pas 100 km. La dernière fois, j'ai dit 100 km. Maintenant, c'est 85. Bah, c'est pire en fait. C'est pire en fait. C'est une horreur le rapport petite vitesse en fait. Et si je mets une UM médiocre avec une multiservice, on sera en bonne. On sera en catégorie bonne. En fait, c'est le problème, c'est les rampes. Il y a des rampes, c'est pas possible quoi. Enfin, en fret, en diesel, elle souffre quoi. Après, les wagons font 25 tonnes. Est-ce que j'ai pas des wagons plus légers que ça? En vrai de vrai. Est-ce que j'ai pas des wagons plus légers qui prendraient plus que 20 peut-être? Je sais même pas. Ceux-là, ils font 16 tonnes. 27 tonnes. Et là, en plus, ça, c'est du wagon gazier normalement. 16 tonnes. 15 tonnes. Et ça prend. Ah oui, ça prend 15. 20 tonnes, ça prend 18. Ça prend moins du coup. Ouais, ça, c'est moins bien du coup. 22 tonnes, ça prend 15. Vingt-quatre tonnes, ça prend moins. Enfin, ça prend 18. 24 tonnes. Ça, c'est 31 et 31 tonnes. Et en plus, c'est du wagon. À part cela, ouais. Ouais, ceux-là qui sont marqués comme prenant de la nourriture. D'accord. Ah, il y a cela, mais c'est 100 km/h, quoi. C'est pas terrible. Non, mais on va aller. Non, ceux-là qui prennent 18 et qui font. Bon, allez, on va prendre ça. On va prendre ceux-là. Vas-y, on va prendre comme ça. On a 216. Ah, par contre, on perd en capacité. Ouais, non. Pas une bonne idée. Ces wagons-là, c'est pas une bonne idée si je veux un train capacitaire. Alors, qu'est-ce qu'on débloque? 25 500 comme ça. 25 500 en voyage. Oh, une nouvelle classe 66. Intéressant, ça. Ouais, nouvelle classe 66. En attendant, je continue à chercher le wagon qu'il me faut. Hein. Ouais, en DB, ouais. Sympa. Sympa, sympa. Les 37 000 en livret fret, ouais. Enfin, pas en livret fret, mais en verte. Là, à tout moment, il y a la 72 100. À tout moment. Non, bah, ceux-là, c'est les mieux en fait, hein. 25 tonnes, ouais. Ah, mais médiocre. Oh, les 37 000 AKM, ok. Ah, bah oui, c'est la période, ouais. C'est la période.
les 67-400 qui sont même pas suffisantes. Enfin, Hakem, pas sûr que ce soit la période. Mais des primas, ouais, c'est la période. C'est clairement la période des primas. Ah, ça passe en 68 000. Alors, je suis pas sûr que les 68 000 soient aptuem. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Et si je fais... Attendez, si je fais une 68 000 avec une 67-400, par exemple. Non, c'est médiocre. Non, bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va faire une UM de 268 000. C'est pas grave. Mais on va être limite niveau traction. Niveau traction, on est limite. Il faut que j'enlève un wagon, sinon on dépasse. Voilà, 234 mètres, 242 capacité. On va faire ça. Hop. Et on envoie sur pétrole raffiné, brut plus raffiné, Beauchamp. Ok, comme ça on aura encore plus. On aura encore plus de. Ouais. On va regarder ce qu'on débloque là. Donc des primas, ouais, bah de la prima. La livrée Veolia qui est sympa aussi. Véfélie. Je vous ai dit que j'aimais les livrées Véfélie. Ah, oh, il y a même pas encore les. Yep. Comment ça, il n'y a pas encore les. Comment ça, il n'y a pas encore les livrées. Attends, je vais juste faire ça. Enlever un wagon. Du coup, on la descend à 198 de capacité, mais elle sera un peu plus. Non, j'ai cru qu'il avait supprimé le wagon de. J'ai vraiment cru qu'il avait supprimé le wagon de. De pétrole raffiné. Hein. J'ai eu peur. Voilà. Bon, du coup, voilà notre petite UM. Mais je crois pas qu'elle soit aptuem en vrai. En vrai, je sais pas. Je connais pas très bien les A1A 68 000. Les Yaya 68 000. Alors, pour ceux qui savent pas hein, pourquoi ça s'appelle une A1A, c'est qu'en gros, il y a. Ça ressemble à une CC, mais c'est pas une CC. En gros, les trois. Il y a bien trois bougies, trois. Enfin, trois roues pour simplifier. Donc, en fait, il n'y en a que deux qui sont moteurs. Alors que sur la CC 72 000, on peut aller voir. Il y a trois roues et les trois sont moteurs. Les trois tractent le train, quoi. Ouais, bon, il va être un peu gêné, mais normalement. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va essayer de desservir une autre ville. Paris a besoin de carburant, par exemple. Alors, Paris, en vrai. Bah, Paris, je pense que c'est le genre de ville où on va la desservir par le camion. Ouais, on va faire une ligne de camion. Il y a une route qui passe là. Ouais. Et en plus, c'est pas une grosse demande, je crois. Non, 42. On va faire par le camion. Bâtiment. En plus, c'est assez compliqué à desservir Paris. Hop. Donc, nouvelle ligne. D'ici à ici. Voie 1. Et donc, ça, c'est ces carburants. Paris. C'est carburant Paris, ok. Alors qu'on a la C72 000 qui apporte justement. Attendez, avant que ça produise, en vrai, je vais directement acheter les camions pour Paris, comme ça va peut-être produire un peu. Même si en vrai, il n'y a pas beaucoup de stock. Je vais peut-être faire un troisième train, mais qui fera juste des allers-retours en carburant. On va voir. Pas carburant, mais pétrole raffiné, pardon.
4, vu que la ligne est longue. Enfin, pour l'instant, on fait que 4. On en met 4. Donc là, ça va décharger un petit peu. Mais je sais qu'il n'y a que 90. Il n'y a eu que 90 de déchargé. Mais là, je suis sûr qu'en fait, il y a déjà de la production, quoi. Donc, ouais, vous voyez là, bah, du coup, il y a 83 actuellement. Avec encore 41 ici, donc ça va reproduire encore. Mais bah de toute façon, je pense qu'il faudra quand même à un moment donné trouver un deuxième puits de pétrole. Alors je sais pas s'il y a d'autres puits de pétrole dans le coin. En vrai, dans les abords immédiats, non, j'en vois pas. Ah, il y en a un là. Celui-là, oui, il pourra servir. Parce que du coup, ouais, non, il n'y a rien d'autre par ici. Ah, il y a une autre usine là. Ah si, il y a ça. Mais de toute façon, il serait pas sur le chemin. Il serait pas vraiment sur le chemin. Mais de toute façon, il y a plus de pétrole là pour celle-là. Et après, fabriquer du plastique et après, fabriquer d'autres trucs. Et je crois qu'il y avait d'autres puits de pétrole aussi dans le coin. Ah non, il y a que celui-là. Non, il y a l'air d'y avoir que celui-là en vrai. On verra. On verra, on verra, on verra. Parce que là, du coup, oui, un deuxième puits de pétrole, ça pourrait être intéressant. Mais bon, faudra du coup faire la voie qui aille par là. Donc au départ de Houlin, il y a une voie qui va partir comme ça. Et qui va remonter du coup sur... Oui, ça c'est... Gifle sur Yvette et finir à Borny-Mimosa. Ouais, bah en vrai, techniquement, non, du coup, ça irait. Techniquement, lui, il irait plutôt avec ça, quoi. Aïe. Et j'ai pas d'autres pétroles là, dans le coin. J'ai pas d'autres puits de pétrole dans le coin là. Porte. Ah là, il y a de la fabrication de plastique possible. Ah non, il n'y a pas trop... Ça manque un peu de puits de pétrole dans le coin. Ça manque un peu de puits de pétrole. Après, je sais que je peux utiliser un puits de pétrole pour deux industries, hein, mais... Parce que là, on va vite manquer de pétrole, je pense, ici. On va vite manquer de pétrole. Ah sinon on va faire un forage hein, mais on va ouvrir un forage mais bon. Mais bon, mais bon. Et par là on n'a pas besoin non. Ça techniquement ouais à deux trains ça va commencer à tourner. Là c'est à 36 000. Ok voilà on en a un. Là, ça va être le deuxième, je pense. Ah non, c'est un train de fret, un voyageur, ça. Ah oui, non, le train de fret, il est là. Ah non, ça c'est celui qui amène le carburant. 12 pour l'instant, ok. Là, ça a produit un petit peu, mais... Ah non, il y a encore 69, ça va. Mais voilà, il faudrait qu'on puisse augmenter un peu. En vrai de vrai... Vrai de vrai, on va faire ça. Hop, on va faire une ligne qui part de là. Qui monte là. Par contre, du coup, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un risque de gêner les autres. Donc en vrai de vrai, vous allez dire, j'arrête pas de faire des voies...
On va faire trois voix. Ah non, mais du coup, là, je peux me raccorder un peu avant, là. Là, je peux me raccorder un peu avant. Ok, 54. 38, ok. Et donc là, je mets une autre signalisation. Et donc, ma petite ligne que je viens de faire, là, au retour vers Oulin, tu passes par ici. Bah non, mais je suis complètement con. Oui, non. Alors du coup, non, t'es pas là. T'es pas là et qu'il faut que t'as... Bah non. Là, c'était complètement con ce que j'étais en train de faire. Ça servait à rien. Du coup, tu viens t'arrêter là. Et donc... Quand tu montes de Oulin vers mon rouge, tu passes par là. Voilà. Et au moins, comme ça gênera pas. Au moins, ça gênera pas. Et ce sera bon. Et donc, du coup, ça, c'est pétrole raffiné. Pétrole raffiné. Montrouge. Pétrole raffiné Montrouge. Ok. Et du coup, bon, on va acheter un nouveau train. Donc un train diesel, hein, vu que la ligne n'est pas électrifiée. Enfin, n'est pas totalement électrifiée. On va prendre 67 400. Livret fret. Et la marchandise, on va lui mettre. En vrai, là, on va lui mettre les wagons total, je pense. Les petits wagons total, ils sont où? Ils sont là. Ok, 120 de capacité, même un peu moins. 105 de capacité, ça sera suffisant. 105 de capacité, ça devrait être suffisant. Et donc, on l'envoie sur la ligne de... pétrole raffiné, Montrouge. Voilà. Bon, en tout cas, on est à 38 minutes de vidéo. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, en live tous les jours, sauf les gens indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.